La création de grands empires tient parfois juste du fruit du hasard. C'est ce qui est arrivé à Denis Baudouin, dit Denis. Le lendemain d'une soirée trop arrosée, il déguste un verre de jus d'orange lorsqu'il est soudain pris d'un rejet du café du matin. Sans s'en rendre compte, il crée un nouveau goût. Le cafrange. Il brevette l'invention et entame la production de masse en créant sa propre firme, Créamix. Entreprise familiale ne comptant à l'époque que 3 employés, dont 2 nains. Au fil des années, l'ingénieux et novateur jeune homme n'aura de cesse d'inventer de nouveaux goûts. Le fambab, du Fanta au kebab, lui permettra de contrôler le marché français. Puis ce fut le coup de génie, avec le vinta, du vin au Fanta, et le couscous, du couscous au lait. Ces 2 succès lui permettent de coter son entreprise en bourse et de détrôner le géant Coca sur le marché des 3 à 8 ans. Mais ce qui fait la qualité des produits Denis Baudouin, c'est qu'il a su garder, en ces temps de course à la modernisation et d'oubli des savoir-faire du terroir, une technique de production traditionnelle et opter pour un personnel qualifié et compétent.